Like a bird, please, either other. जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, प्लीज अपने अपने अब स्पीकर जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दें. हाँ जी, प्लीज लेट अस ऑर्गेनाइज के हम इसको किस तरह आगे लेके. वी आर हेयर टुडे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द crimes of crimes and injustices committed against the Christian minority in particular and other minorities in general in Pakistan. We are patriotic Pakistanis. We want equal rights in Pakistan, but we want justice to be done there. We are here today creating an awareness throughout the world that we are patriotic and we should not be persecuted. We are fighting for our rights in our native land. You people and people. Yes, we have gathered today here from all over Europe, from France, Holland, Germany, England, Italy, and various other places to make this cause known internationally. That's why we are here in front of the UNO officers today. अगर ब्रदर सिमियन रॉबर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो प्लीज सामने आए और उनकी मिसेस. Benjamin Blanchard, vous êtes ici à Genève, sur la place des Nations, où c'est une place mythique pour les manifestations de tous les pays. Pourquoi vous venez aujourd'hui manifester ? Eh bien, j'ai répondu à l'appel de ces associations de Pakistanais militants des droits de l'homme et de protection des minorités, puisqu'avec mon organisation SOS Chrétiens d'Orient, nous travaillons au Pakistan pour aider ces chrétiens, ces minorités à d'une part à survivre et puis à défendre leurs droits. Parce que leur droit est bafoué à l'heure actuelle. Oui, on l'a vu avec le cas emblématique de Madame Asia Bibi, mais qui n'est en fait qu'un cas parmi d'autres. Bien sûr, c'est le plus connu, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de chrétiens qui sont accusés de blasphème au Pakistan. Et en fait, cette loi contre le blasphème est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les non-musulmans du Pakistan. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une avancée ou on est toujours un statu quo ? Donc bien sûr, il faut reconnaître le courage de la Cour suprême pakistanaise qui a acquitté Madame Asia Bibi et qui l'a remise en liberté. Alors là, on n'est pas encore tout à fait au bout puisque pour l'instant, elle n'a pas le droit de quitter le pays. Mais c'est un acte très courageux, on l'a vu, puisque juste après, il y a eu des manifestations de fondamentalistes musulmans et des manifestations très violentes. Et même également, ces défenseurs ont été menacés, leurs familles ont été menacées. Donc toutes ces personnes qui ont pris part à ce procès, on doit leur tirer notre chapeau et féliciter leur courage. Donc ça, c'est une avancée, mais il reste encore beaucoup à faire, puisqu'en fait, tant qu'il y a cette loi, eh ben, rien ne changera au Pakistan. Et le problème est que chaque fois que des gens se sont élevés contre cette voie, ils ont été assassinés. We pray for all those 42 persons who are in jail. Aur male hazrat jo hain wo piche line se agar shuru kare to that would be a very good. Aur jitne bhi yahan pe aur piche. Yes. Aur piche. Haan ji, aap bhi agar ek ek kadam piche ho jaye please. Aur piche please. Thoda aur sar faroshon ka nahin rukega tumhara.
Baki log jitne bhi Henri Malos, pourquoi vous venez manifester aujourd'hui sur la place des Nations, cette place qui est vraiment une place mythique pour le rendez-vous incontournable de tous les gens qui veulent venir manifester? Eh bien, parce que la question du fondamentalisme au Pakistan et la situation des chrétiens m'a touché, comme ça a touché des millions d'Européens, avec ce qui est arrivé à la jeune Asia Bibi, jeune mère de famille, qui a été mise 7 ans en prison pour simplement avoir bu de l'eau dans un puits réservé aux musulmans sunnites. Et cette situation, ce n'est pas seulement une situation pour le Pakistan, inacceptable pour le Pakistan et pour les chrétiens du Pakistan, mais c'est aussi un point important pour les Nations Unies. C'est pour ça que nous sommes ici sur cette place à Genève avec ce symbole de la chaise brisée, de la chaise cassée, pour demander aux Nations Unies d'exercer une pression encore plus forte sur un pays comme le Pakistan qui a érigé le fondamentalisme comme la vertu et comme le moteur principal de l'action de l'État. Et c'est le fondamentalisme qui mine la société au Pakistan avec la loi contre le blasphème qui interdit, en fait, qui exclut toute opposition et toute autre opinion et toute autre religion que la majorité sunnique, sunniste musulmane. Et c'est pour demander donc aux Nations Unies de faire davantage pression. Il y a quelques semaines, le Conseil de sécurité n'a pu accepter de mettre sur la liste des organisations terroristes des mouvements terroristes pakistanais parce que ça a été bloqué par la Chine notamment, qui est un allié du Pakistan, et cette situation est très dangereuse pour la paix dans le monde. Donc je suis ici par compassion pour les chrétiens du Pakistan. Ils sont une des minorités au monde les plus persécutées. Mes collègues ici parlaient d'esclavage vis-à-vis de dans certains villages où les chrétiens au Pakistan sont juste à peine nourris et doivent travailler presque 20 heures par jour dans des briqueteries ou dans d'autres types, dans des industries textiles. Et malgré ça, on continue à ouvrir la porte au Pakistan, à accepter que le Pakistan nous envoie des produits qui sont fabriqués par des esclaves, par des enfants. Donc il faut que la communauté internationale se réveille, parce que c'est la paix dans le monde qui est menacée. Une question. Genève a le siège européen de l'économique. Est-ce que vous avez essayé de parler avec eux? Moi non, mais mes amis oui, parce que on sait très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de soutien des autorités genevoises et des institutions de Genève sur ce que nous faisons. À l'heure actuelle, est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que vous semblez qu'il y aurait un grand pas de cette libération de ces religions ou c'est toujours un statu quo? Eh bien, ce qu'on a vu avec le cas de Asia Bibi, c'est que grâce à la pression internationale, cette jeune femme a pu être sauvée de la peine de mort. Elle a été acquittée par la Cour suprême du Pakistan, où certains juges ont montré beaucoup de courage, malgré des menaces de mort, malgré des manifestations quotidiennes dans les rues pour demander, en fait, même la mort des juges de la Cour suprême et la mort d'Asia Bibi. Donc on voit que la communauté internationale et la pression internationale, ça a eu des effets. Et le cas d'Asia Bibi, c'est un bon exemple. Il ne faut pas qu'on relâche cette pression, car comme je l'ai dit et d'autres aussi, derrière Asia Bibi, il y a des milliers d'autres personnes qui sont persécutées. Certains sont en prison, d'autres sont toujours sous la menace de la peine de mort. Et il faut donc que la pression de la communauté internationale soit encore plus forte. Et personnellement, j'aime beaucoup Genève, j'aime beaucoup la Suisse, et je trouve que Genève est un lieu beaucoup plus symbolique que New York pour exprimer cette importance des droits de l'homme. Car c'est l'Europe qui a vu qu'est-ce que c'était que le fondamentalisme nazi, le fondamentalisme fasciste. Nous l'avons vécu, les Européens, pas moi, mais nos générations d'avant dans leur chair. Et c'est pour ça que cet endroit de Genève est très important pour que ce genre de manifestation se déroule. Et je veux remercier aussi les autorités genevoises, le canton de Genève, pour son grande ouverture d'accepter ainsi des manifestations dans d'autres pays. Ça ne pourrait pas se passer aussi bien. Et je crois que nous sommes vraiment très reconnaissants
envers les autorités helvétiques et en particulier celles du canton de Genève. Bien, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Je suis Mario Silva, le président de l'Organisation internationale IFRES, International Forum for Rights and Security. Alors, je suis ici aujourd'hui pour être présente pour cette manifestation contre la discrimination totale contre les minorités chrétiennes en Pakistan. Le minorité chrétien souffre tous les jours constamment d'un système gouvernemental qui est le chrétien dans ce pays. Donc, il y a une discrimination d'État contre les minoritaires. Et nous sommes ici pour souligner cette difficulté que les chrétiens ont dans le pays du Pakistan. C'est la raison pour laquelle tout le monde ressemble ici aujourd'hui pour faire cette manifestation contre le régime du Pakistan qui lutte contre le système de discrimination des chrétiens. Est-ce que le centre de Genève a été averti? Ouais, j'espère que la communauté ici en Genève est au courant de tout ce qui se passe, surtout sur la discrimination des chrétiens en Pakistan. Mais ce n'est pas la première fois que nous sommes ici. Il y a plusieurs années que nous avons fait l'appel à la communauté internationale pour aider les chrétiens dans le pays de Pakistan qui sont totalement discriminés. On ne sait pas vraiment combien de chrétiens qu'il y a en Pakistan. Ça représente peut-être 1 ou 2% de la population totale. Mais vous savez, les chrétiens de la population a baissé dans les années à cause du terrorisme contre les chrétiens. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont réfugiés dans plusieurs pays maintenant à cause de toutes les attaques contre les chrétiens en Pakistan. Aujourd'hui, nous voulons.